Bonjour à tous, ici Skills Hunt et Zephro. Zephyr Zephyr, Overlord, Zephyr. Calisse. Ouais, nouveau nom pour Donc, aujourd'hui. c'est ça. Comme sujet aujourd'hui, nous avons l'argent et l'Égypte pour commencer. Donc, je vous laisse le petit chose Hunt, le Skill Hunt, vous raconter ce qu'il a à dire. Bon, on discutait, moi puis Zefro, tantôt, puis on est venu à quelques points fort perturbants. Votre argent, la faites-vous legit? Êtes-vous conscient quand vous lurez quelqu'un que il a passé comme 3 semaines, non, bon, on va arrondir pour la moyenne des gens, des joueurs, peut-être plus comme 3 ans pour faire 3 millions. Êtes-vous conscient que vous videz sa banque? C'est ça, vous êtes des hosties de tabarnak de mangeurs. Bon, c'est un peu mal poli puis dit direct de même. Je vais le dire pour que tout le monde le comprenne de façon polie. C'est crissement fif ce que vous faites, gang de fif. Parce que vous êtes tellement fag que même les fags vous traitent de fag, imaginez, là, tu sais, c'est pas normal ça, là. C'est fag en tabarnak. Bon, Ouais. fait que, tout ça pour dire que, regardez, votre argent, vous devriez la faire legit. Si vous lurez, ben vous êtes un fif en général. Si vous me donnez pas un pourcentage de ce que vous lurez, vous êtes encore plus fif. Par exemple, moi, mon argent, moi, les gars, je l'ai fait tout en skill, woodcutting, fishing, Oui. hunting, tout le kit, mais fuck le luring, c'est bien trop chien, c'est trop sale, c'est trop nerd, c'est trop, tu sais, tout le kit, trop tortue, trop chien, trop animal, trop laid, ce que vous voulez, je m'en calisse. Crissement fif. Bon, tout ça pour revenir au fait que plus tard dans d'autres épisodes, on reviendra sur le fait du money making, mais pour l'instant, on a juste un point à dire. C'est que le luring, là, est-ce que ça vaut vraiment la peine de détruire votre nom à Non. RuneScape juste pour quelques millions? Pas pantoute. C'était ça le premier point de la journée. Le deuxième point de la journée, Les gagales. puis les hostiles visages draconiques. Hey non, mais quel bel idiot a eu l'idée de mettre ça là-dedans? Non, mais c'est sérieux là. Écoutez, on va mettre quelque chose de bien au clair là. Quelque chose qui. J'ai pris le temps de bien réfléchir là-dessus, là. Beaucoup là. Peut-être comme 35 secondes là. Beaucoup de réflexion. Écoutez. Quand vous allez au Barrows ou au Galgal, là, pour vous autres les Français, écoutez là, on s'entend-tu que tu vas là parce que tu veux une pièce de Galgal? Hein? On s'entend-tu que quand tu tues Darok, tu dis je veux sa hache, je veux son helm, ou je sais pas trop ce qu'il vaut cher, ce kit de vidange-là, mais c'est pas grave. Vous dites je veux quelque chose. Je veux quelque chose qui a rapport avec eux. Mais à cette heure, quand on les tue, à compter de janvier 2011, quand on tue les frères Galgal. 2012, Ouais, 2012, excusez-moi, je suis la tout fin du monde fucké. approche. 6 mois. Tu peux continuer, Ben. Ben oui, à cette heure, quand on les tue, on a des chances de pogner des câlisses de visages draconiques. Non, mais c'est-tu un peu pas ridicule? Ben oui, tu sais, c'est comme si tu verrais, que je veux dire, comme Skillhand, c'est comme si tu verrais Thorag avec un DFS, what the fuck, et sans savoir ses deux hosties de marteau, puis te cogner à coups de pied d'en face avec ses hosties de marteau. Ben non, c'est comme s'il y avait un DFS, quoi qu'il n'y a pas de DFS, d'où il sort le style visage, y a-tu King Black Dragon dans le coffre, ou ben moi je comprends rien, fuck that hostie, tu peux continuer. Bon, regardez, on va mettre ça bien au clair là. Peut-être bien que d'ici 2020, mais qu'on tue Darok, on va avoir des chances de pogner genre, je sais pas moi, un cas Unfinished Strange Pot, parce qu'évidemment il va être en train de traîner son Strange, notre Darok, hein? À cette heure, il drop DFS. Si on est chanceux, il va peut-être nous dropper un Slayer Helm, parce qu'à leur temps perdu, nos hosties de Galgal, ils s'en vont s'entraîner, ça a de l'air. C'est assez ridicule comme point, on s'entend-tu? Esti, puis ils nous ont donné quoi comme excuse? Ah, c'est pour aider les bas level. Les bas level, ils ont juste à s'entraîner, ils vont être au level, ils vont avoir du cash, gang de pauvres. Nous, c'est qui le sort de la scène de Bollywood qui va aller au Galgal, asti? Il va se faire au nez 3 shots par Darog, asti. Ah, regarde, Il pas. s'en parlait de Vera, qui c'est un asti de plus. Là, il n'y a pas de hit, vu qu'on peut pas prayer contre lui. Là. Ben oui, on va revenir là-dessus sur une stratégie. Les guides, si vous voulez un guide, c'est Galgal, il y en a un sur ma chaîne. Exactement. Prochain point de vue, je vais vous laisser avec Zephro, c'est le Dungeoneering. Ah, tabarnak, bon. À Dungeoneering, ben, faut commencer. C'est un skill. Personnel que. Surtout que c'est comme. Dungeoneering, c'est genre. On peut
tout faire les skills. C'est comme on peut s'ouvrir à tous les skills. C'est Comme comme un gros s'ouvrir les Nintendo. veines. Il y a 10 000 façons de le faire. Ouais, il y a les artères, il y a les capillaires, tu sais, je vais pas vous faire un cours de science, mais regarde, là on parle du dungeoning. Le dungeoning, on peut tout faire, il y a des boss, certains boss, puis chaque boss a un drop différent, etc. Il y a plusieurs sortes d'armes, plusieurs sortes d'armure, etc. Mais le but du donjon, c'est, en tout cas pour la plupart du monde, c'est pour avoir les items chaotiques qu'on peut utiliser en dehors du dungeoning, parce que c'est en fait les meilleures armes de RuneScape. Donc, c'est un peu normal que tout le monde est level, mais c'est très long à avoir au coût de 200K. 200K, c'est 200 millions, c'est 2 millions, excusez-moi, d'XP en dungeoning, etc. Je pense que c'est à peu près tout pour le dungeoning. Bon, ça fait un Ouais. résumé bref de qu'est-ce que le Dungeon Ring, puis ça fait déjà 5, ça fait déjà 6 minutes qu'on se parle. Faut qu'on va accélérer un peu ces autres points, mais on va être plus direct, je pense. Les Ouais. noobs pis le membership, là, on s'entend-tu, tabarnak? Quand t'es 15 en mining, tu te mets pas member, sale con, tu vas même pas pouvoir faire, je sais pas, mais tu vas même pas pouvoir faire Jeff Rules 4, tabarnak. T'es un nasty loser, mets-toi pas member. Le monde rit de toi avec tes stats des non-members. Il rit encore plus de toi des members. T'es un nasty loser, mets-toi pas member. Bon. Me semble, mais toi, member, que t'es rendu 60 attaques, 60 Regarde. défense, 60 buff, tu sais. Au moins, tu puisses au moins porter du dragonique, là. Fuck le runique, côté member. Oublie le runique, apporte toutes les armures, une fois de temps en temps pour le piquer. Mais fuck le piqué, c'est pour les astineuses, moi, Regarde. tant qu'à vous. On va mettre de quoi de bien au clair là-dessus, là. Quand tu te mets members, c'est parce que t'as minimum 60 et plus dans toutes, et je dis bien, toutes, TOUTES, tu sais, comme boule, BOULES, toutes tes statistiques non-membres doivent être à 60 et plus. Sinon, en partant, t'as aucun avenir des members. Parce que tu vas perdre ton premier mot à mettre ces stats-là bon, hostie. Pis Calice. qui se met l'argent dans les poches? Jagex. Exactement. Les astuces de traceurs de cosses qui montrent les tarifs à part de ça ce mois-ci. Exactement. Mangez dents de la marde, petit mode gala, bon débarras. Bon. À part Tout de ça ça. pour que ça rime en plus, c'est bon de l'avenir, ça là-dedans. Bon, prochain point, ça va être une autre affaire, c'est noobs pis le membership. Mais c'est une autre histoire. Les noobs qui nous harcèlent, on haït tout assez ça? On haït tout assez ça, tabarnak, est en train de s'entraîner, pis qu'il y a un sale con en armure bleue nommé Big Mac Makers. ERS, je vais même mettre son nom dans la description. Le petit noob avec la petite épée longue dragonique. Excusez-moi, runique. Ah, Dragonique, c'est trop ça c'était expert là, pour. loser. Anyways, on a tout à c'est ça quand on y parle pas à cette calice-là, pis qu'il débarque, pis oh, moi je suis 50 en range, on s'en calisse. On va mettre de quoi de bien au clair, là, les gars, là. On se le cachera pas, s'il y a une fille qui écoute la vidéo, ben, t'as probablement moins de boules que ben du monde qui regarde la vidéo. Mettre Chimel, je sais pas, quelque chose Ouais, vous dire c'est pas ça le point du vidéo. Le point du vidéo, c'est que si on te pose pas une question, tu réponds pas par tes statistiques, on tu s'en fermes, c'est calisse. ça, tu fermes ta gueule, Tu ta fermes ta petite gueule, patate, pis tu décalisses, cette conne, ok? puis tu laisses les pros s'occuper des petits ogres, ben, des gros ogres, vu qu'ils ont des gros bedons McDonald's. Exactement. Bon. Donc ça fait un autre point dans notre conversation qui vient déjà durer 8 minutes et demie. On a déjà abordé l'argent legit, les galgal pis le visage draconique, le dungeon ring, les noobs pis membership, les memberships pour les bas level. Maintenant, on va faire un point qui est un peu plus pour les haut level, mais qui touche quand même beaucoup de gens. La calisse de Calvet Queen. Ah, oh, c'est une grosse pute, là. Maudit insecte de merde. Elle est pas mieux que ma gala. C'est sa sœur jumelle. Oh, Regardez, là. pis tu savais que Café Queen sort avec King Black Dragon? On peut aussi l'appeler King Black Blabon, là. Ça, c'est un nom que je me Non, suis non. donné avec quelqu'un, mais bon, King continue, peu Black importe. Calfit. Hein? Oh, let's go, c'est bon. Regardez. Bon, on remet de quoi bien au clair, là. Sacrement, une hostie de coquerelle de marde avec des ailes ne devrait pas être plus dure que le roi gobelin. Ok? General Grandor, c'est un boss. On se le dira tous. On se l'entend tous. C'est un fait. Mais la calisse de Calvet Queen, on s'en balance, tabarnak. Ok? Arrêtez de faire chier, là. Débarquez là avec Fire Surge, là. 95 Magic, là. Puis faites-vous la cuire, sacrément! Ça, pis eux, Jackex, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Ben eux, ils en calissent, eux. Oh non, non, c'est vrai, eux, ils veulent juste votre argent pour s'abonner, en tout cas, bref. Café Queen, personnellement, je la trouve plus forte solo que Bando, c'est pas normal, là. Café Queen, je peux la solo peut-être deux fois, puis Bando, quatre fois, cinq fois, gros maximum, c'est.
Ah, Fun, regarde, un gros Zhang avec du full bando, c'est. Il vient même pas à bout de Calfette Queen, une petite coquerelle verte qui sent pas bon, là, qui ressemble à mode gala, etc. Mais bon, là. Je laisse Killen continuer ses petites phrases. Ça pour dire que le prochain point là, c'est quelque chose d'assez ennuyant, d'assez banal, mais qui touche bien du monde. En particulier les gens qui essaient de faire du merchandising ou probablement les gens qui ont beaucoup d'argent ou qui ont des caps de maîtrise de certains levels assez élevés. Du genre Slayer ou des affaires qui rapportent bien d'argent ou qui en coûtent. Notre prochain point, ça va être les hosties de show-off à Rune. Bon, regarde là. Bravo pour toi, t'as crossé des queues jusqu'à temps que t'aies 99 en cooking. Ferme ta gueule, t'es pas obligé de te vanter. C'est cooking, sacrément. Dis-toi bien que n'importe quel cap que tu vas pogner, là, y a tabarnak, genre 100 000 personnes qui l'ont. Ferme ta gueule, arrête de faire ton show-off, hostie loser. Hey, t'as un 99 que j'ai pas. Bravo, le touriste. C'est un hostie de jeu. C'est une petite cape pixel, réveille. Un hostie de pixel qui reste de babouin. Exactement. On va mettre quelque chose d'autre au clair. Prochain point. Puis là, on s'est entendu que j'étais obligé de le faire. On va s'entendre que quand on entend ça dit pas mal déjà tout. Je tenais, là. Je tenais, moi, de signaler. Oh, ton langage, je suis transi, là. Oh, ton langage. Oh, ma Twin Party, tu vas te muter, là. Oh, là, là. Là, c'est pas correct, là. Oh, t'as pas le droit de faire ça. Hey, tabarnak, ferme ta gueule, c'est un jeu. Ok, mon Si esti on un touriste. jeu, ça sert pas à faire si on a style du wannabe mode, style tabarnak, on joue RuneScape pour s'amuser et pour passer le temps et pas pour se faire chier avec des petits wannabe mode et à se faire mute. Fait que dans ce temps-là, tu formes ta granule et tu nous laisses faire un grand bonhomme. That's it. T'es un hostile loser, ok? Si tu dis ça au monde, j'ai jamais dit ça au monde, j'ai jamais fait chier le monde pour ça. J'ai déjà reporté du monde, puis j'étais pas fier de le faire. J'y ai pas dit, hein, je t'ai reporté, puis en même temps, j'ai couché avec ta mère, sale con. Non, non, j'ai juste dit que je couchais avec sa mère. Petite parenthèse, 0 sur MRC, player mode, si tu écoutes cette vidéo-là, mange la marde. Parce que là, je peux te le dire, mange la marde, parce que je suis pas dans RuneScape, fait que tu peux pas me mordre. Va chier, fils de. That's it. Bon, Merci. ok. Ça, on va en reparler après la vidéo. Tu m'avais pas parlé de ce point-là. Bon, on va mettre. Je vais te laisser faire le prochain point parce que c'est quelque chose que tu as insisté pour mettre. C'est Les un point Pixel qui. Ranger. Ouais. Les Pixel Ranger. Explique-nous donc ça. Ok, un Pixel Ranger, bon, ben pour commencer, ben j'ai déjà une vidéo dans mon channel. Si vous comprenez pas le principe d'un Pixel Ranger, vous avez juste à aller sur mon esprit channel. Vous subscribe, et si vous aimez pas la vidéo, ben tu décolles, c'est de toute sorte, mais bon, t'écoutes la vidéo si tu comprends rien. Bon, un Pixel Ranger, c'est quelqu'un, par exemple, tu vas au clan noir, quand je vous donne un exemple, un qui Pixel Rage beaucoup, c'est Trappy. Bon, vous allez au clan noir, vous faites Trappy. Par exemple, vous l'avez battu, là, il est mort, vous l'avez tué. Lui, il est sur Overload, Torvald, toute la kit. Mais tabarnak, il va revenir, puis il va rage dessus, il va même pas vous off, il va tout le temps vous tuer. Puis lui, dans le fond, derrière son ordi, il doit être comme tabarnak de calice, il doit être pété ça, il doit être pété son écran, son clavier, sa souris, toute la kit. L'ordi doit être enfumé, toute la kit, tu comprends, là. Et, tu vois, un Pixel Ranger, c'est quelqu'un qui est enragé pour un jeu vidéo. That's it, là. Exactement. Quelqu'un qui pique des crises pour une interface tout à fait niaiseuse qui est strictement pas la vérité, c'est un Pixel Rager. Bon. Exactement. Donc, pour plus d'informations sur les Pixel Rager, veuillez vous rendre sur ma chaîne YouTube, Zephyrat, et vous cherchez la vidéo How to make a Pixel Rager. C'est ça le nom de Bon, la ok. vidéo. Donc, je laisse poursuivre Skill Hunt à ces petites choses. Les prochains points, c'est. Je vais les faire les deux ensemble parce que, bon, le dernier est pas même ben gros, puis l'autre avant, ben, il est plus hilarant qu'autre chose. On va se mettre bien d'accord, là, Jagex. Hein? Pourfendeur, c'est bâtard en tabarnak comme traduction? Je veux dire, t'as pogné ça où? Sur Google Chrome, tabarnak? Hein? Google Traduction. Maudit Saint-Sacrement. Hein? Hey, je suis level 99 en pourfendeur. Ça sonne comme, hey, je suis level 99 en chus des culs. Asti gang de touristes. Bon. Dungeoneering, assaut de donjon. Maudit calice. Où c'est que tu vois le mot assaut, toi, dans Dungeoneering?
Où c'est que tu le vois? Dis-moi donc ça, gang de cave. Dungeon Assault, je sais pas, ça peut être ça. Ben non, Dungeoning, Assaut de Donjon, ça peut être Donjon de Ring, je sais pas, en français, ou Donjon, je sais pas, mais là, Assaut de Donjon, d'où il sort le Assaut puis le de, en tout cas. Je pense qu'on n'aura même pas le temps de mettre la vidéo sur YouTube. On va faire ça. Pas rendu là, ouais. On va déjà prendre. Bon, prochain point, le dernier point de la soirée. Il y a à peu près 2 mois de ça, Jagex a aidé une nouvelle petite arme bâtarde de calice pour que. L'Ashnan multifonction. Exactement. Ça là, c'était merveilleux. On se le cachera pas. Ça faisait votre burin, votre pioche, votre hache, votre aiguille, puis votre boîte de lumière, je pense. Ouais, pour le fire making. Ouais, on regarde. C'est Puis super là. cool, c'est super merveilleux, je dirais pas le contraire. Ouais, c'est Mais ça. cette semaine, ils ont rajouté une astuce de nouvelle affaire que c'est. Non, c'est pas cette semaine, pardon, mais récemment, tout de même, ils ont rajouté une nouvelle affaire que c'est votre ceinture d'aventurier. Hey, si tu touristes un peu, Comme vous pourquoi vous venez de mettez un gonfler. update, vous remettez l'autre, que c'est la même merde? Vous êtes en manque d'idées? Ben, tabarnak, cherchez donc plus loin! Regarde, Jagex, ils s'en connaissent eux, ce qu'ils disent, c'est paye le cave. Continue à jouer à RuneScape, paye. Nous, on veut ton argent. On tète tes poches, mon tabarnak. Sauf que eux, c'est des Français, disons, je pense. Donc, ils sont comme, oh putain de merde, nous voulons ton fric. Oh la vache, ok, bon, En fait, non. d'accord. Donc. Pour être plus honnête, le siège social de Jagex se situe au Cambridge, en Angleterre. Fait que ça sonne plus comme Hey asshole, pay us, we're gonna buy some ice cream, and then we're gonna fuck with dogs. Ils sont Bon. pas normaux, eux autres, ici. Fait que bon. C'était ça le dernier point de notre soirée. Sur ce, on va. Juste petite parenthèse, avant le dernier point de la soirée. Les Anglais, personnellement, je sais pas c'était quoi votre but d'avoir essayé de reconquérir. Ben, je sais que vous avez réussi. Mais bon, je veux juste vous dire une affaire hors sujet d'une scape historique, là. Les Anglais, vous n'allez plus jamais faire chier les Québécois comme vous avez fait aux Français en Nouvelle-France il y a plusieurs années. Je pense que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Bon, tu peux continuer, là, Skill. Bon, tout ça pour finir notre super vidéo sur une note tout de même passive, positive. Je vous invite à regarder les prochaines vidéos qui vont suivre sur les chaînes communes de Zefrot ainsi que de Skillzant. Nos. RadioScape. Yep, ça va suivre prochainement, probablement très fort, fortement. Ça va suivre sur une nouvelle chaîne qu'on va probablement trouver cette semaine un nom, mais on va tous vous informer de ça dans la prochaine vidéo. Exactement, mes petits amis. Sur ce, on vous souhaite à tous bon RuneScaping. C'était la voix de Skill Hunt et de Zephyrath.